aux deux extrémités de ses épaules. Et ces deux grandes jarres, il y en avait une qui avait un éclat, c'est-à-dire qu'elle était abîmée, et puis une autre qui conservait un très très bel aspect. Et en fait, pendant 2 ans, ce porteur d'eau, à la jarre qui a cet éclat, perd de l'eau. Et alors, il ne dit rien, et puis il perd de l'eau, il arrive à son maître tous les jours, et il arrive avec une jarre et demie, puisque celle qui a cet éclat, eh bien ce trou, eh bien du coup, elle fuit, et du coup, à chaque fois, il n'y en a plus qu'une demie. Et puis un jour, la jarre très triste, dépressive, va voir son maître indien et lui dit « Je suis très triste, je suis désemparée, je suis déprimée parce que je ne remplis pas ma mission, parce que je n'arrive pas à avoir une jarre complète lorsqu'on arrive chez notre maître. » Et là, l'Indien lui répond « Là, nous allons faire ce voyage, ça fait 2 ans qu'on fait ce voyage. » Et tu vas regarder en bas, tu vas regarder par terre pendant tout le long du chemin. Et la jarre, très triste, regarde le long du chemin et elle voit plein de belles plantes. Et elle se dit, mais c'est incroyable de ce côté qu'il y ait plein de belles plantes. Et l'Indien, le maître indien, lui dit, regarde de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y avait rien. Alors, l'Indien lui dit, tu vois, grâce à toi, j'ai semé des petites graines. Et grâce à toi, nous avons un chemin fleuri. Et chaque jour, je peux en plus moi-même fleurir mon maître et cueillir grâce à toi des fleurs. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et on comprend tous la signification de l'histoire. Voilà. C'est ça la base de la confiance en soi, en fait, Marc. C'est qu'on va comprendre que nos faiblesses ne viennent, pardon, nos forces ne viennent que de nos faiblesses reconnues. Si cette jarre n'avait pas reconnu qu'elle manquait d'eau, eh bien, on n'aurait pas pu avoir de belles graines. On aurait pu intituler cette émission aussi Être parfait, ça sert à rien, c'est ça? Alors, l'idée, c'est de s'accepter soi comme on est. L'idée, c'est de s'aimer soi comme on est. L'idée, c'est de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, je cite souvent cet exemple que les gens sont un peu comme dans la vie. Comme dans la vie, on va à la mer. Puis il y a des gens qui vont à la mer et quand ils vont à la mer, en fait, ils vont être spectateurs. Ils vont rester dans le sable et puis ils vont pas trop se mouiller, ils vont être spectateurs. Et puis il y a des gens qui vont y mettre les pieds, juste le bout des orteils, puis ils vont dire « Ah, oh, ça fait du bien, mais j'ose pas. » Et puis il y a des gens qui vont aller jusqu'aux genoux en disant « Oh, ça va, je prends des risques, mais peut-être que je peux mouiller ma robe ou peut-être que je peux mouiller mon caleçon, mais je vais quand même oser aller jusqu'aux genoux. » Et puis, il y a des gens dans la vie, comme dans la mer, eh bien, ils vont se jeter à l'eau. Peut-être ils vont boire la tasse, peut-être ils vont se prendre des vagues de vie dans la figure, hein. Mais ceux-ci, ils vivront, ils vont apprendre cela. Et c'est ça qu'on doit apprendre aujourd'hui, à cette séance, à ce travail que nous allons faire ensemble, c'est comprendre tout le décodage de la confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir davantage confiance en soi? Mais peut-être faut-il sortir de sa zone de confort. Peut-être faut-il se prendre des vagues dans la figure et oser se mouiller. Et comment transposer ça dans le domaine du travail, dans